Les amis, aujourd'hui, on détient un garage Porsche d'une valeur de je ne sais pas combien de millions d'euros, mais de plusieurs millions d'euros. Et dans un premier temps, on va prendre cette Porsche et on va modifier son moteur. Ensuite, on ira chercher avec un camion des nouvelles Porsche qui se trouvent dans un showroom. Et on terminera par faire une course de Porsche selon ce qu'on a choisi avec Thierry qui est là. Eh hey, putain, ça fait un bordel pas possible ton truc. Oh bah, hé, oh. Voilà, je me mets dans le stand. Hop. Moi, tu vois un moteur secoué, hein. Ouais, écoute, t'inquiète, c'est pas le souci. Bon, ah ouais, j'allais dire, si on commence à changer le moteur là, on va pas être rendu. Ah, le moteur, il est derrière. Voilà, parfait. Donc, on va changer le moteur là, vous allez vous dire, ce moteur là, on l'a chopé où? Eh bien, écoutez, on l'a chopé sur ce tracteur voiture que vous avez l'habitude de voir. Attends. Oh là là. Alors, le truc, c'est que le moteur est assez puissant, mais on avait pas besoin d'un aussi gros moteur sur ce véhicule-là. Donc, on a remis un plus petit moteur et on a rechopé le moteur que vous voyez là. Hop là. Voilà. Parfait. Bon, Thierry, t'es prêt à changer le moteur? Ah, attends. Là, ça tangue autant que je tangue moi. Et regarde comment on est assorti, tiens, aujourd'hui. Ouais, t'as vu ma belle tenue de travail? Ouais. Moi aussi. D'ailleurs, j'espère que tu vas... On a de nouvelles Porsche à aller chercher. J'espère que tu vas bien choisir ta Porsche parce qu'on finira par une course. Et celui qui gagne la course paye l'apéro. Oh bah, prépare-toi à payer. Hein. C'est une grande soif. Bon, les amis, le moteur est changé. Thierry m'a mis la peinture puisqu'on va faire un nouveau covering sur cette voiture. C'est parti. Ah, magnifique, tu verras. Bah, c'est du rose que tu m'as mis dedans. Bah ouais, c'est normal. Comment ça, c'est normal? T'inquiète, ton pistolet, tu le tiens à l'envers. Oui, ah oui, merde, attends, tiens. Voilà, c'est bon. Là, la bagnole va être full rose. Nouveau covering, nouveau moteur. La voiture est prête à l'emploi. Dis, par contre, ça fait vraiment un bruit de sourd, ton truc, là. Ah oui, c'est pas mieux, c'est toi qui achètes des trucs, là, au marché. Oh, ça me rend ouf. Eh, il va falloir mettre un fameux coup de WD-40, je te le dis. Oh, bah, tu le frappes, hein, quand j'irai au bas. Ouais, si tu veux. Hop, c'est... Oh, t'entends déjà le bruit, là? Ah, doucement, hein. Attends, mais retire-toi. Ouais, bah, oui. Wow. Oh là là là, je sens la puissance d'ici. Pas casser l'auto. Hein. Non, t'inquiète, je vais la re-ranger. Bon, d'ailleurs, je vous ai pas dit ce qu'on avait dans notre garage John Deere. John Deere. Ouais, t'inquiète. Ouais. Dans notre garage Porsche pour le moment. D'ailleurs, je vais la mettre ici. C'est moi qui suis bourré. Hein. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a dans notre garage Porsche? On a cette Porsche 911 ici. On en a deux autres ici. Et on fait même... Enfin, pas deux autres Porsche 911, hein, deux autres styles de Porsche. Et on fait même dans les tracteurs Porsche, puisqu'on a le vieux tracteur Porsche. D'ailleurs, on va aller en chercher un autre, un tout nouveau qui vient d'arriver à la concession. Et un autre plus gros tracteur Porsche qui nous sert à... là, évidemment, c'est remise en couleur qu'on vient de faire dessus. Donc, bon, on a fait quand même pas mal de petits trucs dessus qui sont assez sympathiques. Bon, Thierry, t'es prêt à aller au showroom? Ouais, il manque un truc. Là dans le ici là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, il y a le distributeur à boisson. Ouais, tu veux un distributeur à Ricard, c'est ça? C'est ça, il manque le distributeur. Ouais, là, il y a pas de place pour le distributeur à Ricard. Ouais, bah t'attendras. Bon, Thierry, tu prends un camion ou une voiture, tu prends une remorque. Moi, je vais prendre mon magnifique camion qui est là. Et on a une remorque qu'on vient d'acheter spécialisée pour le transport de voitures assez basses. Donc, c'est avec cette remorque-là qu'on va tout simplement y aller. C'est parti. Donc, Thierry avec son camion, moi avec mon camion, on va faire un petit convoi exceptionnel. Je vais mettre les gyros. Alors, on a investi dans du Camtar, hein, je te le dis. Hein. Le mien, camion qui vient tout droit d'Amérique. Il nous a coûté un fameux paquet d'argent. Mais bon, pour tirer cette remorque. Et regardez, quand je lâche l'accélérateur, regardez ça. Ah, on sent bien le ronronnement des camions. Là. Ah. Voilà. Donc là, on doit prendre le pont à gauche. Et puis, vous allez voir, on va aller chercher les voitures dans un magnifique showroom. J'ai quand même demandé à Thierry de prendre une remorque en plus. Parce que je crois qu'il y a... Je sais plus vous dire, mais je pense qu'il y a 4 voitures. 4 voitures et un tracteur, il y a. On embarque tout. Ah oui, oui, bah on embarque tout. Bah, de toute façon, tout est prévu pour nous, donc on va tout embarquer. Oh bah, même ce qui est pas à nous, on embarque. Merde, c'est pas là, Thierry! T'es tout droit! Bah, bravo! Je suis con, j'ai pris l'autoroute! Je me suis remis dans le droit chemin. T'es sûr que c'est à gauche? Ouais, cette fois-ci, normalement, c'est bon, c'est à gauche. Le showroom, je le vois en face. Hein. Non, parce qu'il y a plusieurs showrooms dans la ville, Thierry. Ah bon? Oui. Il est où le showroom du Ricard? Oh! Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que j'étais bloqué dans l'arbre. Je sais pas ça. Donc là, normalement, c'est tout droit. Et puis, on aura une petite route à gauche. Alors, tu feras gaffe parce que il est bien abrité par les arbres, le showroom. Alors, il va falloir passer entre les arbres. Hein. Okay. Gars, tu vois pas là, il est à gauche là. Ah ouais. Donc, ici à gauche. Mais par contre, on est en Angleterre. Hein. Ici, on roule à droite. Hein. Ouais, bah, t'as vu la largeur de mon camion. J'ai pas trop le choix. Hein. Et on va aller directement par derrière pour prendre les véhicules. Hop là, bon je vais déjà déplier ma remorque dans un premier temps. Je vais vous montrer comment cette remorque fonctionne. Donc là je peux déplier la porte. Et ensuite on va mettre toutes les voitures au premier étage. Moi je pourrais en mettre à mon avis deux. Pas plus que ça. Hop,
Donc là en fait je peux, voilà, je pourrais monter ma voiture. Bon pour le moment on va le laisser le plus bas possible parce que je vais devoir monter les véhicules. D'ailleurs on est venu au showroom en tenue de mécano, Thierry, tu t'en rends compte ou pas? Bah ouais c'est normal. C'est normal toi tu trouves? Hop là. Voilà notre showroom, alors dedans on a 4 voitures et un petit tracteur. Et je vais vous montrer quelle voiture on a. On a pour commencer ici une Porsche Taycan Turbo S. Ensuite on a la fameuse 911, la vieille 911 qu'on avait, qu'on a repimp à la maison. Le tracteur Porsche Diesel, une Porsche GT3 et une Porsche ici 911 Turbo S. Voilà, pour ce qui est de... Bon, évidemment, un modèle un peu plus récent que l'ancienne. Écoute, je vais charger la rouge, moi, tranquillement, dans mon petit camion. Alors, d'ailleurs, merci de m'avoir proposé l'idée, les amis. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un like si vous voulez d'autres vidéos garage, domaine à plus de X millions d'euros. N'hésitez pas, parce que, bah, c'est... Mais la porte... Bah, en fait, ça se ferme tout seul. Ah. Une porte automatique qui arrive. Oh, elle fait un beau... Ah, celle-là, ça va être ma voiture de la course, hein, je pense. Elle fait un magnifique bruit. Hein. Ah bon, je prends la bleue. Bon, bon. C'est vrai? Ouais. Tu me laisses charger le tracteur dans mon camion? Vas-y, vas-y. Hop là. Voilà, on va monter la petite voiture tranquillement. J'aurais même pas dû l'éteindre. Hop, je vais essayer de bien me mettre à niveau. Voilà, de la planche. Comme ça, on est pas mal. Et normalement... Oh, avec l'aileron, ça va passer quand même? Ouais, ça passe. Ça va, en fait, j'ai de la place pour en mettre quand même 2-3. Même peut-être 3, ça aurait pas été déconnant. Ok. Bon alors suivant, t'en as chargé combien toi? Bah 2. T'as encore la place pour une? Oh bah mais oui. Crasse pas Thierry. Parfait. Gaffe, je suis un fou. Et d'ailleurs je vais aller vous montrer le showroom, ils ont un étage incroyable. Bon c'est accès au patron, Thierry, tu peux pas aller? Bah c'est moi le patron. Ah bon? Merde. Regardez, donc là bon, ils ont rien dans pour le moment vu que c'est un nouveau showroom et qu'on a pris tous les turbos qu'il y avait. Bon, et là, normalement, il y a un ascenseur. Mais je pense que l'ascenseur doit être en bas, c'est pour ça que je peux pas le lever. Allez, j'arrive, je vais charger mon turbo diesel. Alors, d'ailleurs, on aura peut-être un truc à tester avec ce tracteur pour voir s'il fonctionne. C'est que j'ai, vu qu'on répare les tracteurs Porsche et qu'on remet en couleur, etc., j'ai également du matériel Porsche à la maison, c'est-à-dire faucheuse, semoir, etc., qui font partie de la marque Porsche. Et on va peut-être tester ce tracteur-là avec, avec une vieille faucheuse, ça peut être vraiment sympa. Bon, théoriquement, la porte devrait se fermer toute seule. Ouais, c'est bon. Goodbye. Bon, c'est bon, on a tout pris du coup. Bah oui. Tu peux juste descendre la rampe, s'il te plaît, comme ça je pourrais rester dans le tracteur de mon camion. Attends, j'arrive. Bon, vas-y, Thierry. Je vais bien me mettre dans l'axe. Eh, j'ai pas essence illimitée, hein. Ah, c'est bon. Oh, le klaxon, toi. Klaxon original Porsche. Là, voilà. Vas-y, monte. Encore, encore, encore. On met au deuxième. Ouais, enfin, au premier. Baisse la tête. Ah oui, merde. Non, mais stop. Oh, oh mon dieu. Ouais, oh, Thierry, j'ai un petit problème. J'ai ma tête qui dépasse du tracteur. C'est pour prendre l'air. Ouais, c'est une option pour prendre l'air. Ok, parfait. Bah, vas-y, replie. Je vais prendre ton camtar. Ah. Et on est parti. Non. Ah, il fallait la laisser comme ça. Ah, bah oui, en fait, je suis con. J'allais replier. Sauf que j'allais taper les roues de la Porsche. J'allais tout casser déjà. Plier comme ça. Ah, faut remonter un peu. Ouais, tu peux remonter un peu, ouais. Fais gaffe parce que là, t'as plus le même gabarit de camion, hein, Thierry. Je te le dis. Hein. T'inquiète, moi au moins, je roule pas à contresens. Bah, t'auras pas le choix. T'as vu la largeur des routes qu'on a dans ce pays. T'es obligé de rouler en contresens. Voilà, parfait. Bon les amis, on ramène toutes ces voitures là dans notre garage Porsche. Et après, direction, on va les tester. Comme je l'ai dit, on va d'abord tester le tracker et puis direction la course. Il est temps de décharger ces magnifiques voitures. Bon, celle-là vous la connaissez. D'ailleurs, je vais la mettre dans le même bâtiment. Alors vu que c'est des... Enfin, c'est du nouveau bâtiment. On est en train de changer un peu le design. Donc on n'a pas encore reçu les logos Porsche pour mettre sur le bâtiment. Mais ça devrait pas tarder. Là. Hop. Donc oui, celle-là, on a un covering à faire dessus. Quoi? Il avance pas le bordel. Bah si. Non. Ah bah non. Eh, faut pas ouvrir le capot, hein. Bah c'est normal, Thierry. Faut que t'enlèves les sangles. Non. Ah, il y a les sangles. Ah bah ouais. Ah. Bah voilà. Voilà, moi je vais décharger cette voiture là. Non! Il fallait, fallait descendre la plateforme, Thierry! T'inquiète! Ouais, écoute, eh, si c'est passé, c'est le principal. Car il faudrait que d'ailleurs. Eh, je me demande même si on devrait pas mettre nous un showroom, mais tu sais, un plus petit showroom. Regarde, Thierry, je m'explique. Là, t'es en train de me parler. Non, t'en penses quoi? Regarde, si on met un petit showroom là, comme ça, tu vois, à l'entrée de notre bâtiment, je pense que ça peut être méga stylé. Bam! Tu vois, après, on rejoint en faisant une petite allée en gravier. Ah, ce truc-là, t'appelles ça un showroom, toi? Ouais, mais regarde, va à l'intérieur. Regarde, t'as des vitres sur le côté gauche. Ah ouais. Bon, c'est un garage showroom, quoi. Mais il faut qu'on reste dans l'esprit du garage. Oh, m'écrase pas. Ce sera un atelier pour repimer nos voitures. Bah tiens, je vais en mettre deux, tiens, ici. Alors, j'avoue que j'aurais peut-être dû le placer dans l'autre sens, parce que le truc, c'est que y a que les mecs qui travaillent chez France Bonhomme, quoi, qui vont nous voir. Voilà. Vas-y, viens, Thierry, t'as de la place. Bah... Eh, Thierry, tu vas bloquer ma porte ou quoi? Bah non.
car fermé. Ah c'est bon. Vas-y rentre. Non celle-là ce sera ma voiture de course. Parfait. Bon ça c'est... T'as déchargé la tienne ou pas? Ouais bah c'est fait. Ah bah parfait, on va pouvoir ranger les camions les gars. Par contre j'aurais juste besoin du Porsche toi. Enfin du tracteur Porsche que je teste, voir si niveau puissance il est toujours ok. Qu'on a de la repeinture à faire dessus. Mais peut-être niveau puissance ça passera plus, on va voir. Voilà, on va mettre le camion ici. Tac, impeccable. Voilà, ok ça c'est bon, celui-là je vais le baquer. On va le mettre à côté aussi. Ah si, je peux enfin le replier les amis. Et puis direction, tu l'as mis où le petit tracteur Porsche Thierry? Il est là. Voilà, alors je vais juste vous montrer mes outils Porsche qu'on a. Il traîne où? T'es où? Là. Là, suis-moi. Je suis man. Là. C'est celui-là? Ouais. C'est parti. Ouais. Pourquoi c'est remonté ça? Parce que je l'ai remonté là pour tu sais pour être stylé là. Tu sais comme ça les gens quand ils arrivent je montre sur quoi, sur quel véhicule j'ai travaillé. Parce que moi je prends celle-là pour la course. Ah bah tu pourras la redescendre là. Non mais no joke. Par contre on travaille que pour Porsche hein les gars. Donc c'est à dire qu'on fait pas de remplacement pour le chausseur. Je vais essayer avec la faucheuse comme ça demandera un peu de puissance. Voir s'il est toujours ok niveau puissance. Hop là. Voilà impeccable. Bon Thierry je veux faire les bords de la pelouse tiens. Parce que ça fait longtemps que ça a plus été tondu. Bah une pelouse l'entrée quoi. T'as vu les hautes herbes qu'il y a à l'entrée? Très bien les herbes. Non c'est pas bien. Là, voilà. Tu peux juste bouger le camion bleu comme ça, ça me gêne pas. Il va faucher des cailloux. Mais non, l'herbe là. C'est parti. Eh ben écoute, il a encore pleine puissance hein. On est à 10 km/h Thierry. On aura même pas besoin de changer quoi que ce soit au moteur sur ce Porsche là. Bon d'ailleurs. Hein? Il a pas encore cassé c'est ouais bah moi je casse qu'un. D'ailleurs il est encore clean hein. Ils nous ont demandé de changer la couleur. Mais bon moi je l'aurais bien laissé rouge hein. Et sinon en rouge hein. Bon heureusement on en a d'autres en rouge hein. Évidemment qu'on repart. Celui-là ils nous ont demandé, tu sais en quelle couleur ils nous ont demandé de le mettre? En vert. Ouais en vert. En rapport vert franchement ça laisse un peu à désirer. Bon en tout cas niveau puissance il n'y a pas de problème. Il tire au maximum de sa puissance et ça c'est cool. Temps de passer à la course les amis, le tracteur est ok, on replie la faucheuse. Ah Thierry pendant que tu es en train de tourner, il en a fait du rangement, je peux le dire. Ouais, pour pas que le patron il bosse. Et il se prend pour le patron en plus, ça si c'est pas de l'arrogance. Ouais, aujourd'hui c'est moi le patron. Ah bah qu'aujourd'hui hein. Et demain peut-être aussi. Hop là, voilà, parfait. Bon, je vais fermer mon... ah oui merde, c'est là. Hop là, voilà, je vais fermer la porte ici. Donc Thierry est déjà prêt avec sa voix, on va en tenue comme ça tu vas me dire? Ah là, faut changer. Ah j'ai eu peur quand même. Moi je vais prendre ma Porsche rouge. Hop là. Et on va voir du coup qui va gagner. Donc on va aller comme ça jusqu'au circuit. Vous allez voir un circuit assez sympathique. On va voir combien. Hop voilà. Dégage. Parfait. Je t'ai déjà un peu abîmé ta voiture Thierry hein. Ah non. Si je te jure. Et d'ailleurs bah du coup je vais vite fait me changer avec toi. Comme ça on est prêt. Nous sommes prêts à aller conquérir la course avec Thierry. Enfin surtout je suis prêt à te battre. Parce que regardez comment on est habillé. Au revoir. Moi qui vais te battre ouais. Allez vas-y viens je te suis. Tu sais où est le parcours? Bah je te suis, on va bien le trouver hein. Bon d'ailleurs Thierry je trouve que tu pars avec un petit avantage. Puisque on a modifié ta voiture hein. La mienne elle est d'origine hein. Allez c'est parti. Oh il y avait un bar. Oh il y a un bar. On s'en fout du bar, c'est après le bar. Je te paye l'apéro si tu gagnes. Nous sommes arrivés au parcours et c'est un parcours un peu spécial. Enfin une course un peu spéciale. Puisqu'il est aux couleurs de Mario les gars. Alors nous on est arrivé avec nos Porsche. Ah bah d'ailleurs ils ont même dit du sound. Voilà on se met sur la ligne. Oh. Elle triche pas Thierry hein. Le capot doit pas dépasser. Oh. Et les amis on va faire deux tours. C'est bon? Là moi je suis sur la ligne. C'est bon t'es prêt? Attends. Attends quoi? Vas-y. Ok. Vas-y. 3, 2, 1, go. Ouais t'es parti avant. Bah non j'ai parti à gauche. Oh l'accélération mon pote. Merde. Non. Attends j'ai pris un piqué Thierry. Je vais gagner, tu vas payer l'apéro. Non je paye rien du tout. Et on n'a pas le droit de faire du hors-piste hein. Hors-piste quoi. Allez hop. Oh. Oh oh. Salut Thierry. Merde le virage. Ah raté. Je savais ce que tu voulais faire Thierry. Putain mais il est long le circuit. Oh les virages qu'il y a toi. Y'a même pas une... Non. Oh le piqué. Non. Ah c'était à gauche. Comment ça c'était à gauche? Bah non.
Ouais, vas-y. Mais non, on refait un tour. Bah c'était à gauche. Mais ta gueule, t'es derrière moi. Enfoiré, j'ai regardé en plus. Oh, oh, oh. Non. Allez, barre-toi. Oh l'enfoiré. Il va me faire une queue de poisson. Wow. Il va payer la paire. Oh bon. Ah, j'ai traversé. Oh gros, t'es revenu à l'enfoiré. Là, y'a tricherie, là, là, y'a tricherie. Oh non, y'a pas de tricherie. Là, y'a prescription, allez hop. Oh non. Merci pour le demi-tour. Oh, c'est serré. Oh, c'est serré. Mais. Mais dis, le petit. Allez, bouge. Eh, hey, c'est pas Monster Truck Show, hein. Oh non. Putain, c'est trop. Mais non, je fais une marche arrière, mais quel con. Allez, avance. Mais c'est le Porsche que j'ai, Winexam. Et surtout l'apéro qui va payer. Ouais ouais, faut pas trop le malin. Non. Allez, paye l'apéro. Oh non, l'enfoiré. Bien joué Thierry. Mais bon, je te paye l'apéro au bar, tiens. Les amis, il a peut-être gagné la course, mais moi là, je suis en train de l'attendre devant le bar parce que bon, bah, je vais lui payer l'apéro. Eh, t'es loin Thierry ou quoi? J'arrive, je suis là. Bah, il est là, il est là, il est là. J'ai beau regarder des deux côtés, je te vois pas. Hein. Ah si, c'est bon, je te vois. Vas-y, gars. Eh, je me suis carrément garé devant le bar tabac. Hein. Ah ouais, d'accord, toi, tu te gares en marche. Il fait des... Ma voiture, enfoiré. Allez, paye l'apéro. Elle est où l'entrée? Elle est là. Bon, allez, les amis, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Et nous, on va aller boire un petit apéro. Bisous. Salut, Thierry. Ouais,